Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 25 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, relativiser dans la petite philosophie du matin. Tout paraît plus dérisoire lorsqu'on ne perd pas de vue l'essentiel. Et oui, aujourd'hui j'ai pigé le 9 d'eau et c'est dans la suite d'air le 9 d'eau qui représente eh bien l'intellect et dans le tarot traditionnel c'est la suite des épées. Elle se concentre sur les nouvelles idées éblouissantes, les choix inspirés et les capacités de communication qui permettent de se rallier tout le monde. Alors cependant, eh bien, la suite d'air décrit également les périodes où l'on est en conflit avec les autres, incapable de prendre une décision ou peut-être coincé dans sa propre négativité. Alors il y a, on est dans l'archange Michaël, vous voyez en bas de la carte à gauche, les initiales MI, qui représente l'archange Michaël. Et qu'est-ce qui fait ce bel archange Michaël? Eh bien, cet archange Michaël, je suis en train de regarder parce que je ne le trouve pas ici dans... Voilà, ça y est, voilà. Est appelé quand on se sent, voilà, en danger. Donc voilà. Ce bel archange Michaël, eh bien, si vous vous sentez en danger, faites appel à lui. Il est aussi réputé pour nous protéger et pour aider à calmer nos peurs. Les peurs que nous avons à cause de situations que nous vivons. Michaël est armé d'une grande épée, n'est-ce pas, de lumière, et il l'utilise pour rompre les liens énergétiques indésirables avec le passé ou les personnes que vous avez besoin d'écarter en toute sécurité et avec amour. Ah, faites appel à ce bel archange Michaël, hein, si vous manquez de confiance en vous ou si vous avez du mal à définir vos objectifs de vie. C'est également lui qu'il faudrait appeler. Ce bel archange Michaël est par ailleurs connu pour aider à réparer eh bien, les objets cassés tels que peut-être des voitures ou tout autre matériel. Mais là maintenant, si vous vivez une situation avec des personnes nuisibles qui vous tirent vers le bas, c'est le moment d'implorer ce bel archange Michaël. Le 9 d'air, eh bien, vous avez des peurs qui sont infondées, vraiment. Vous vous attendez au pire et c'est ainsi que vous créez des prophéties autoréalisatrices. Le 9 d'air vous informe avec bienveillance, n'est-ce pas, que vous êtes en ce moment votre pire ennemi. C'est comme si vous vous flageliez. Vos pensées sont tellement négatives, eh bien, qu'elles créent des prophéties autoréalisatrices. Si maintenant vous vous concentrez seulement sur le négatif, eh bien, rien d'autre ne se manifestera dans votre vie. Et vous êtes dans cette négativité. Pourquoi? Quel est l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes dans ces pensées négatives? Posez-vous cette question. Cette carte, elle se présente quand l'inquiétude devient exagérée. Donc cette carte, elle vient à vous parce que vous vous inquiétez outre mesure. C'est pas possible. Vos craintes sont disproportionnées, vraiment. Alors, que vous viviez une situation dans le domaine professionnel, encore une fois,
sentimentale, familiale, personnelle, eh bien, toutes ces craintes que vous vous infligez, hein, parce que c'est vous qui vous les infligez, elles sont disproportionnelles. Et par ailleurs, elles signalent souvent, souvent, maintenant, si vous dormez mal, de l'insomnie. Et vous pourriez avoir aussi des rêves angoissants, ou même, pire encore, des maladies causées par ce stress que vous vous mettez vous-même. Tout problème a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, eh bien le problème, c'est vous qui le créez. Il n'y en a pas. Dans n'importe quel domaine, vraiment, tout problème a une solution, et s'il n'y a pas de solution, c'est vous qui créez ce problème. Donc, c'est vous qui êtes négatif, c'est vous qui vous mettez dans ce stress incroyable, c'est vous qui vous mettez de ces pensées négatives par peur, tout simplement, parce que cette peur, elle est là, elle est ancrée au plus profond de vous-même, et peut-être qu'il y a un travail à faire sur ça. Vos peurs, votre manque de confiance en vous, tout ça, ça se travaille. Alors là, on vous invite de vous concentrer sur le résultat désiré plutôt que sur le sujet de vos craintes, parce que malheureusement, aujourd'hui, cette carte, elle vient dire que vos craintes sont là par vous-même. C'est vous qui créez ces craintes et qui vous infligez ces craintes. Recentrez-vous sur vos pensées positives et arrêtez de broyer du noir comme ça, d'avancer dans la négativité. Mettez un peu de lumière, s'il vous plaît, dans vos pensées. Ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Allez, il faut passer ce cap. Donc, passez-le en étant positif, n'est-ce pas? Je termine avec l'affirmation positive et aujourd'hui, je ressens de la gratitude pour la vie que je mène. Je ressens de la gratitude pour la vie que je mène. Je ressens de la gratitude pour la vie que je mène. Évidemment, si vous vivez une vie négative, eh bien, changez-la, hein, pour avoir de la gratitude pour de belles pensées positives et avoir cette belle énergie positive. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.